Du ciel d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manou de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Les choses de la vie. Voilà, les choses de la vie. Je voudrais demander à ma soeur qui est en Hollande, elle se reconnaît, la reine mère, pardon. Demande à Rosine de m'appeler. Le rendez-vous de demain, là, je t'ai dit que problème de portable perdu, là. Vraiment, il me faut un mois pour me mettre à jour. Ouh, j'ai perdu tout. Pardon, dis à Rosine que nous allons nous... parce qu'il y a un élément qui manque dans le travail que nous devons faire. Voilà, dis-lui donc... le rendez-vous, qu'elle m'appelle, je n'ai pas son numéro. Ou bien après le direct, tu me donnes son numéro. Je te remercie infiniment pour le geste
Voilà, pour le geste, on parle en code. Voilà. Amis miens d'ici, d'ailleurs, bonsoir. Nous allons parler de ces pierres précieuses. Et c'est samedi, oh. Yoba! Hey! La musique de l'autre époque. Ah, la belle vie. À l'époque là, oh non. Quand tu prends une eau comme ça là, on a vécu, il n'y avait pas ces histoires de préservatif. La maladie qu'on prenait là, on pouvait choper là, c'était la gonococcine. En même temps, on prenait ces gemmes avec des combinaisons, on prenait point, c'est fini. Ouais, aujourd'hui là, vraiment. Pour aller avec femme, tu vas d'abord aller faire texte. Jolie femme, c'est pas la peine, hein. Jolie femme, c'est pas la peine, oh. Conseil. À l'époque, on buvait les grenadines. Hein? Tu manges eux, tu grandes femme avec eux. C'est ton habitude, jolie femme, c'est pas la peine. Moussa, moi et toi, je te donne l'argent, tu vas donner à Moussa. Abiba, tu m'as déçu. Au revoir, chérie Abiba. Jolie femme, c'est pas la peine. Femme jolie, là, c'est pas la peine. Le travail sur le travail. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas mourir femme. Tu ne peux pas mourir Aïcha. Attention, voilà. Attention, attention. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas mourir femme. À l'époque, là, non, l'argent, c'était pas beaucoup. Ouais, il y avait la vie. Ouais. Nous, on a vécu, hein. Parfois, tu laisses quoi, tu dis, mort, là, viens même. Tu as vécu. Ouais. On a gagné femme avec œuf. Grenadine, là, c'était ça, on prenait. C'est pas n'importe qui mangeait œuf. Hein? Il n'y avait pas ces histoires de préservatifs et aller faire test. Non! Quand tu as clos là, si une go est clos ça là, elle va te donner ses gonococci. Hein? Oh, vraiment. Aujourd'hui, tu vois, jolie femme, même ton cœur bat. Mais il faut porter préservatif. Hein? Maintenant, pour aller là, il faut aller faire texte. Il faut aller faire ceci. Oh, la fin des temps. Bon. C'est la fin des temps qui avance comme ça, grand-père. Amis miens d'ici, d'ailleurs. Nous allons parler de quelque chose. Voilà, nous sommes toujours dans cette dimension et Dieu merci, ça porte déjà des résultats. Ouais. Il y en a qui vivaient dans l'ignorance totale, qui n'avaient aucune idée, n'est-ce pas, de cette pierre précieuse, de cette pierre qu'il faut porter. Depuis un certain temps, ça fait des merveilles, c'est des témoignages que je reçois par-ci, par-là.
Mon mari a eu ceci, il a porté la pierre, ceci est arrivé. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Voilà, c'est pour ça que nous faisons les directs, pour parler, n'est-ce pas, de ces choses-là, ami bien disait d'ailleurs. Pour déchirer le voile de l'ignorance, parce que l'ignorance est le mal le plus dangereux. Le mal le plus dangereux dans ce monde-là, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, nous allons parler de ces pierres, ami bien disait d'ailleurs. Ces pierres-là ne doivent jamais vous manquer. Et c'est important d'en parler. Pourquoi? Parce que ce sont des pierres d'une importance très capitale, dont la puissance a été démontrée par mille fois. Alors, parmi ces pierres, il y a comment on peut appeler ça? Il y a la meilleure pierre, parce qu'il faut qu'on parle d'abord de l'envoûtement, parce que il y a une pierre qui peut vous aider, qui nous aide, hein, à nous protéger contre l'envoûtement. Vous savez, l'envoûtement est une opération magique qui consiste, n'est-ce pas, à jeter un sort sur quelqu'un. Vous voyez? Et grâce à une figurine. Vous savez, la figurine, c'est ce que vous appelez les poupées. Donc, on prend ça, hein, poupée là, on prend ça comme ça, ou bien même statuette, vous voyez? La figurine. On se dit, ok, il faut qu'on lance le sort par ici. Maintenant, on va lancer. Toi, tu es couché à la maison, là. Tu vois, on fait une figurine, on dit, bon, ça, c'est la figurine de Manu de la vie, et tout, et tout, et tout. Vous voyez? Donc, on peut également prendre votre nom. C'est un sortilège qu'on peut vous lancer. C'est un ensorcellement. En fait, c'est la magie noire. Tout ce qui concerne l'envoûtement. Tu vois? On peut également faire ça pour vous séduire, pour vous charmer. Pour vous charmer. Donc, le charme devient tellement, tellement puissant que vous devenez même en quelque sorte esclave de la personne qui vous a jeté qui vous a fait cet envoûtement-là. Donc, notre rôle, Henriette est connectée, je suis content. Maman Henriette, oh là là, sois bénie, ma grande. Lily Gola est connectée, c'est pas Ferre Gola, c'est Lily Gola. Hein, voilà. Donc, ce sont des pierres qui vous protègent contre toutes sortes d'envoûtements. Ami bien disait d'ailleurs. Nous, là, on a déjà pris le virage de notre vie. Le direct, vraiment, c'est pour nos enfants. Parce que ce qui nous est arrivé là, on évite que ça arrive à nos enfants. Parce que c'est le bien le plus précieux que nous allons laisser en quittant ce monde. Nous ne pouvons pas laisser des enfants qui seront à la proie, n'est-ce pas, de ces envoûteurs, de ces personnes négatives. Voilà, c'est que vraiment l'erreur nous revient. Ça, c'est notre faute. Donc, notre rôle, c'est de leur donner. C'est de leur donner cet héritage spirituel. Parce que quand l'enfant même hérite des biens matériels de ses parents et tout, et qu'il n'a pas un socle spirituel, c'est dangereux. Il n'a pas la notion de la femme, du sexe de la femme. Il n'a aucune notion. Vraiment, il est comme ça, il vit au jour le jour, il va prendre l'argent, il va faire comme. Donc, et pour finir, c'est ton nom qui sera gâté. C'est pour ça que ouais, nous, là, on nous a déjà gâtés, c'est vrai. Mais nous avons encore, pour ces quelques années qui nous restent à vivre, à veiller sur notre progéniture, sur nos enfants. Ouais, parce que eux, là, au moins, ils vont pouvoir assurer ce que je peux appeler notre héritage. Si on les laisse, c'est fini, hein? Ah, c'est fini. Donc, nous allons parler de cette pierre. C'est une pierre de protection contre toutes sortes d'envoûtements. Ami bien d'ici et d'ailleurs, c'est une pierre d'une puissance incroyable. Je vous en prie, si vous avez des parents en Europe, au lieu de leur demander des portables de dernier cri, demandez-leur de vous faire peut-être un bracelet et qui est composé des pierres les plus. Des pierres! Hein, vous avez par exemple l'onyx noir, vous avez l'œil de tigre, si tu as sur un bracelet comme ça, je ne sais pas si je n'ai pas un fil. Vous voyez un bracelet? Voilà. Disons que voilà le bracelet. Vous voyez? Il vient ici, il met une pierre, l'œil de tigre, il sépare. Il vient ici, il met la topaze impériale. Il vient ici, il met peut-être la tourmaline noire. Il vient ici, il met l'onyx noir. Il vient ici, il met l'ambre. Il vient ici. Donc, un bracelet où quand tu portes, tu sors là. Chacun joue son rôle. Ah, c'est possible. Que de demander les portables et tout. Demander des choses qui doivent vous rendre heureux, qui doivent. Voilà, donc dans comment je peux appeler, dans ce grand nombre, dans ce monde de pierres, hein,
il y a une pierre qui vous assure, c'est-à-dire contre toutes sortes d'envoûtements. Quand tu marches, si ton homme là, tu t'es marié là, première des choses, il faut chercher pierre là, tu vas mettre ça sur lui. Tu dis, chérie, dehors là, les femmes là sont dangereuses, hein? La pierre, ne doit pas te manquer. Hein? Ah oui, quand c'est comme ça, l'homme sait au moins comment il sort. Maintenant, il y a des hommes qui sortent comme ça là. Mais c'est à vous, sur vous. La femme est le. La femme est la. Je ne sais pas. Ministère de l'Intérieur. C'est la femme. La maison appartient à la femme. Tout ce qui est dans la maison là, c'est la femme qui doit dire aujourd'hui vous mangez tel. Aujourd'hui ceci, réveillez-vous. Aujourd'hui vous allez dormir tard. C'est elle la patronne de la maison. Donc elle a intérêt de veiller sur la vie spirituelle de tous les habitants de la maison. Si elle-même elle est gaou ou gaouage, comme on dit en Côte d'Ivoire, si elle est nyata, je ne sais pas très bon quoi utiliser, si elle ne voit pas clair, c'est tout à fait normal que la maison, au lieu que les gens vivent le ciel, ils vivront l'enfer. Parce que quand l'enfant n'a pas son problème, elle n'a pas le temps. Alors que c'est elle. Tu sais bien que l'homme aujourd'hui, là, quand il sort, il a les yeux sur lui. Mais protège ton mari. Même s'il parle, là, on ne peut pas l'envoûter. Maintenant, vous laissez, vous croyez que c'est le fait de graisser bien sa veste, sa cravate. Ce n'est pas important. Vous devrez pouvoir savoir des couleurs. Chérie, tu as un entretien aujourd'hui avec ton patron. Mais ça fait un an, on n'a pas fait augmentation de ton salaire. Il faut utiliser tes plans. Comment on appelle, fume-terre. Voilà. Quand tu vas au boulot, voici la tenue qu'il faut. Le mercredi, il faut porter le jaune. Si c'est pour un entretien, voici ce que tu dois faire. Mais si toi, femme, tu ne maîtrises pas ça là. Mais l'homme va faire ce qu'il veut. Et moi, il descend. C'est toi qui rentres le soir, tu lui dis voilà, 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 voilà. Abraham, au soir de sa vie, quand les anges sont entrés chez lui, il a dit, Sarah, les gens sont entrés. Occupe-toi d'eux. Pourquoi l'homme ne s'occupe pas des visiteurs? Parce que ce n'est pas de son ressort. Il ne connaît pas les secrets de la cuisine. Il ne connaît pas comment est placé tel verre. Il ne sait pas ce... La maison appartient à la femme. Il dit, chérie, tu as les invités. Ma servante, tu as les invités. Elle était derrière en train de faire la nourriture. Elle sort, elle donne d'abord de l'eau. Elle sort, elle donne à manger. Les anges, après avoir mangé, ont béni la maison. Abraham n'a pas dit, bon, comme je suis le patron de la maison, j'ai appelle madame, tu as les étrangers dedans, viens t'occuper d'eux. Pourquoi l'homme ne fait pas? Parce que la maison appartient à la femme. Donc si dans ta maison, il n'y a que les fous, dans ta maison, il n'y a que les bandits, la faute te revient. L'homme, lui, survient aux besoins dictés par la femme, besoins spirituels. Je veux qu'il y ait telle chose. Quand la femme dit changer la télévision, on change. Quand il dit gaz ici, ça m'arrange plus là. Monsieur, son travail est de changer. Le patron a parlé. Bon, si tout ça vous ne maîtrisez pas, c'est les MECOP, les TACOP, les INCOP, les VANCOP, les MBIACOP qui vous occupent. Ah, mais oui, l'homme va aller là où il va aller comme poulet, il sort comme on va l'attraper. Il va sortir comme poule. On va jeter les gars, il va venir picorer. Arriver là, on va attacher son cou. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est de ça qu'il est question. Le mercredi, tu dis, mon mec, voici telle tenue. Tu es un entretien, oui. Voici ce que tu dois porter. C'est ça. Si une femme décide que son mari doit porter tricot jaune, vert pour sortir, qu'il monte, qu'il descend, qu'il soit l'homme le plus fort au monde, tu vas faire ce que ta femme demande. Si une femme là aussi ne gère pas ça, on va faire comment? On ne fait rien. Donc, ami mien, tu sais d'ailleurs, comme je le disais tantôt, c'est une pierre d'une puissance. Tout ce qui concerne l'envoûtement, ton cœur ne doit plus battre. L'envoûteur le plus puissant au monde ne peut pas t'atteindre. Parce que son rôle, c'est ça. Je vais vous donner le nom de cette pierre. Voilà. C'est une pierre qui favorise la renaissance spirituelle. C'est-à-dire, tu es mort. Spirituellement parlant, tu es mort. Cette plante-là te fait renaître spirituellement. Cette pierre. C'est la pierre qui équilibre l'émotion, les déceptions amoureuses, les ceci. Tu es dans une relation, ton cœur n'est pas sûr. C'est ça qui donne l'équilibre émotionnel. L'homme sort, il fait deux jours, ton cœur ne bat pas. Tu es sereine. Ah ouais? C'est cette pierre qui renforce tes nerfs. Ouais? C'est une pierre d'une importance incroyable. Et je vous rappelle, cette pierre calme même la rage.
Cette pierre même est utilisée pour faire disparaître les fantômes dans une maison. Donc chez toi, là, la maison est toute bizarre. C'est les trucs que tu places ici, ça se perd. Il y a des bruits bizarres dans la maison. Je te conseille cette pierre. Ami bien dit fait d'ailleurs. Mon rôle, je suis le déchireur par excellence du voile de l'ignorance. Ça existe. Nous sommes à l'ère du verso depuis 1971. Ça existe depuis la nuit des temps. Mais qui est là pour vous parler? Personne. On vous raconte d'autres évangiles, d'autres choses. Alors les choses les plus sérieuses, que tu n'as pas besoin de carte d'identité pour acheter ça. Tu mets ça, tu as ton résultat. Ça n'a pas besoin de croyance, que tu sois musulman, chrétien, dès lors que tu as mis ça, joue son rôle. La maison est tout agité, tout et tout. Non. C'est fini ça. C'est fini. Ah, tu restes l'enfant, on dit l'enfant envoûté. Tu restes là, l'enfant ceci. On a fait ceci à l'enfant, on a fait. Non, mais c'est fini. C'est fini. C'est fini. Cette pierre, je vous assure, si vous avez un enfant, j'ai toujours dit, si ton enfant a un problème mental, je te conseille la pierre. Ça a commencé à faire ses effets en Allemagne. Il y a un mois, j'ai donné cette pierre à une dame qui avait de sérieux problèmes. Son enfant, ça n'allait pas. J'ai dit, porte-lui cette pierre. Fais-lui, mets cette pierre-là sur lui. Il doit avec ça. Ça a commencé à corriger. Je vous assure, cette pierre éloigne la magie noire. Tout ce qui est envoûtement, la folie. Si quelqu'un te lance la folie, père, il dort sous la pluie. Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs, c'est une pierre que vous devez l'avoir. Et son nom, elle s'appelle la topaze impériale. Elle est jaune comme ça, là, et ça brille. Oh, j'ai laissé les pierres là de l'autre côté. J'ai lavé ça, j'ai laissé ça de l'autre côté. J'allais vous montrer cette pierre-là. La topaze impériale. Cherchez cette pierre-là. Le secteur est bizarre. L'enfant même peut déjà commencer à porter. Ouais. N'aie plus peur. Si tu as cette pierre sur toi, dorme tranquille. On te dit l'envoûteur. Les histoires lancées sur toi. Non. Et tu peux même aller plus loin. Tu prends une de tes photos. Tu prends la topaze, tu te poses sur ça. Partout, on va aller pour chercher l'énergie par ta foi. On ne trouve pas la topaze là. Quand vous envoyez ça, ça rejette. Oui, on envoie sa part. L'envoûteur va dire, mais l'homme là, on dirait que je ne le vois pas. Hein. Il fait moi une figurine là. Il fait pap, tam, tam, tam. Ça n'en pas. Soit ça coule. Si c'est quelque chose, ça mène là, ça coule. Parce que la pierre, là, ça joue ce rôle. Il faut seulement la nettoyer de temps en temps, tu es tranquille. L'œil de tigre joue aussi ce rôle-là. C'est une pierre de protection contre l'envoûtement. L'œil de tigre. C'est comme un mur. J'ai encore eu des témoignages aujourd'hui où l'œil de tigre, quelqu'un a mis un bracelet, l'œil de tigre, tout ça est cassé. Ce n'est pas fortuit. Quand c'est fait là, ça a un danger. Maintenant, il faut pouvoir interpréter. As-tu un rendez-vous? Avec qui tu étais, as-tu un voyage en vue, ça signale que c'est pas bon. C'est pas bon. Et l'avantage dans ça aussi, c'est que pour l'œil de tigre, là, il renvoie l'envoûtement vers celui qui a fait, vers son auteur. Donc c'est une pierre qui est, je peux dire, après la topaze impériale, l'œil de tigre, que ça ne vous manque pas. Amis bien disait d'ailleurs. Après ça, ce sont des pierres de protection contre l'envoûtement. Tu peux trouver tel crochet, maintenant l'autre un peu moins cher, etc. Tu peux également demander labradorite. Labradorite, autant pour moi. Labradorite. Labradorite, c'est un mousse collé. Labradorite. Elle aussi, c'est une pierre qui est très, 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 très efficace, qui renforce, en tout cas, son rôle contre l'envoûtement. Voilà. Il y a aussi que la pierre qu'on appelle le courial. C'est aussi une pierre contre l'envoûtement. On l'utilise pour contre le mauvais œil, contre tout ce qui est mauvaise énergie. Voilà. Parfois, on a des blocages que ce n'est pas là. Les mauvais œil. C'est-à-dire que l'œil qui te regarde avec n'est pas bon. L'œil est rempli de jalousie, d'aigreur, de mauvaises choses.
Et l'homme là, comme il a porté joli tricot là, et s'il pouvait faire l'accident. Non, la fille là, elle se plaît trop dans le quartier là, c'est toujours elle qui monte, qui descend. C'est tout elle, les garçons viennent la déposer. Si même elle pouvait mourir, si même. Tout ça joue. Maintenant, si tu as les pierres sur toi, ça ne te touche pas. Ami bien disait d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle mauvais œil, hein, Henriette. Voilà, ce sont des pierres d'une importance capitale. Voilà, ne dormez pas comme ça. Voilà, ne dormez pas. Le dos, quand tu dors, tes ennemis ne dorment pas. Ami bien disait d'ailleurs. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils ne même pas un peu. Même pas, ils ne dorment pas. Donc, veillez. Veillez vraiment sur vous. Veillez sur vos enfants. Parce que c'est vraiment important. Ouais, c'est vraiment important. Il y en a aussi, comment dirais-je? Il y a une pierre pour protéger votre maison. Pas votre maison. Vous savez, la voiture est comme. On peut dire c'est la continuité de votre maison. Il y en a qui, dans leur voiture, il y a tout. Même l'acte de décès de sa maman, de ses parents, tout est dedans. Voilà. Il y a tout. Il y a tout dedans. Tout. Donc, je vous en prie, même dans votre propre voiture, mettez des pierres. Mettez des pierres, on ne sait jamais. Ne dites pas que oui, voiture là, est ceci, elle est neuve, elle est comme ça. Non, 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 non. Au lieu du travail, vous avez aussi des pierres qu'il faut utiliser. Voilà. Donc, ne dites pas que, bon, travail là, bon, vraiment, mes collègues là, on s'entend très bien. Non, hein, non, 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 il n'y a pas entendre. Vous êtes venu en détail. Ah, si tu es patron, il y en a qui visent, qui cherchent ta place là, là où tu es assis là, là où tu es assise là. L'autre aussi va être là-bas. Donc, il faut protéger toutes ces choses-là. C'est très, très important de le faire, de protéger vos voitures. La voiture, vous pouvez, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de pierres que vous pouvez utiliser. Il y a, par exemple, l'aigle marine que vous pouvez mettre dans votre voiture. Il y a également la divine nature nous donne aussi des recettes, les recettes vraiment trop simples, qu'on peut mettre dans nos voitures. C'est tout un ensemble composé de light et tout. Vous voyez, au niveau du chauffeur là, hein, là où il y a sous le chauffeur, en bas là, il y a, comment ils appellent ça, il y a un tapis ou quoi là. Tu mets ça dedans. Voilà, accident là, comment là. Tous ceux qui sont dans la voiture là ne seront pas atteints. Donc, c'est des petites choses que nous devons pouvoir faire pour ne pas subir les négativités des uns et des autres. Vous voyez souvent dans certaines voitures, au niveau, n'est-ce pas, du rétroviseur qui est dans la voiture là, souvent il y a des gens qui mettent un petit truc comme un sac. Vous croyez qu'il a seulement mis? Non, il n'a pas seulement mis. Parfois, ce sont des pentagrammes. Vous voyez, qui à l'intérieur, qui ont des symboles, n'est-ce pas, qui ont des amulettes, n'est-ce pas, de protection. Vous voyez, voilà. Donc, contre les accidents de voiture et tout, le gars est dedans, tranquille. Voilà. Donc, il y a aussi, surtout pour ceux qui viennent d'acheter les voitures, voilà. Faites toujours un effort de laver ces voitures. C'est comme habit. Même si tu as pris l'habit comment on appelle, dans une grande boutique, quelle que soit la marque, ayez toujours la présence d'esprit de laver la voiture, de laver votre habit avant, n'est-ce pas, de l'utiliser. Ne dites pas que non, l'habit sort d'un prêt-à-porter, d'une boutique. Non, les mains ont touché avant que ça ne soit là. Ça a passé plusieurs mains. C'est passé dans plusieurs mains. Tu laves avec, si tu as même la lavande, voilà, tu laves, et après tu utilises la lavande. Pour désintégrer, pour désinfecter, voilà, pour enlever tout ce qui est microbe, tout ce qui n'est pas bon, spirituellement, qui n'est pas bien là. Tu enlèves ça, maintenant tu repasses, tu peux commencer à porter. Donc c'est pareil pour la voiture. Parce qu'il y en a qui achètent la voiture, on arrose, hein, on a arrosé, oui c'est beau, mais ce n'est pas suffisant. Il faut toujours laver, il y a une eau de rinçage qu'il faut toujours faire. Lorsque vous avez une voiture, elle est nouvelle, telle même c'est une voiture d'occasion. Alors, vous prenez de l'eau dans cette eau, vous mettez le romarin, vous mettez le fenouil, vous mettez le thym, vous mettez le poivre, vous mettez la plante qu'on appelle basilic, vous mettez la cannelle, vous mettez les feuilles de laurier. Vous voyez? Et comment vous faites? Vous prenez une cuillère
une cruauté dans, de chacune de ces œuvres que je viens de citer. Voilà, vous laissez, ça reste dans l'eau pour quelque temps. Après, vous prenez cette eau pour laver votre voiture. Voilà, ça enlève tout ce que ça peut enlever, hein, toute la saleté et tout. Voilà, toutes les impuretés, les énergies négatives, parce que c'est le fer, c'est un métal qui a son énergie. Voilà. Donc, toujours dans la voiture, vous pouvez avoir un petit sac que vous mettez sous le siège, n'est-ce pas, du chauffeur de la voiture. Et ça vous protège contre des accidents, n'est-ce pas, malencontreux, des accidents, parce que c'est généralement en début d'année, en fin d'année, que ces forces négatives sont sur des axes routiers pour provoquer des accidents, parce qu'on a besoin du sang humain pour le renouvellement des pactes. Maintenant, les enfants les enfants des pauvres, les enfants des ignorants, leur sang va couler. Voilà, donc, sous le siège, n'est-ce pas, du chauffeur, vous pouvez mettre un petit sac qui contient, n'est-ce pas, du sel. Voilà, vous mettez là. Hein? C'est vraiment très suffisant pour vous protéger contre tout ce que vous connaissez. Voilà, après peut-être une semaine, ou alors si vous pouvez, après 2 ou 3 jours, vous enlevez le sac, vous le jetez dans un cours d'eau, dans une rivière, dans la mer, et vous renouvelez. Ça vous protège, ça absorbe les énergies négatives. En Afrique de l'Ouest, vous allez voir que les voitures, généralement, ceux qui font dans le transport urbain comme interurbain, ils ont toujours un cyclone. Hein? Le chauffeur a toujours un cyclone. Ce n'est pas un fait de hasard. Toi, tu vas dire non, c'est quand tu vas mettre des durants parce que tu as des backups, tout ça là. Il faut quand tu sors plus haut là, il faut comme ça que oui. Et c'est la go là-haut, c'est la grande go, c'est la blanche qui roule. Ben, ça là, tu vas mourir cadeau. C'est quand tu ne vas pas dire non, tu vas mettre des durants de Yves Saint Laurent, tout ce qui est. C'est la vanité, c'est la vanité. Cyclone que le gars joue là, le cyclone est un catalyseur de mauvaise énergie. Hein, tu ne sais pas qui entre, qui sort. Parfois même tu y transportes des revenants sans le savoir. Maintenant tu as barricadé là. Quand il entre, il sort. Tout ce qu'il va faire là, le cyclone absorbe ces énergies négatives. Parce que c'est un chauffeur, il est là. Jean-Pierre, il prend. Après, c'est Marie. Après, c'est. Par jour, il peut ramasser au moins 50, 60 clients. Dans les 60 clients, forcément, il y a au moins 10 qui sont chargés négativement. Étant dans le même espace, dans la même voiture, qu'est-ce qu'ils font? Il y a ce qu'on appelle le partage. Bonjour monsieur, quand il te parle là, c'est déjà une énergie qu'il envoie. Non, le gars ne veut pas absorber tout ça. Donc les taximans là, vous devez chaque fois, hein, chaque fin de semaine, dimanche comme ça, vous devez faire les bains, surtout le samedi, vous faites vos bains de purification parce que vous êtes trop exposé. Quelqu'un revenant, il sort du cimetière, bien sapé, il dit ok, bon, laisse-moi là-bas 10 000. Toi tu prends un clé monsieur, alors que c'est un revenant. Tu vois, donc tout ça là vous est exposé. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, c'est autant de choses que vous devez. Je sais que les temps sont durs et tout, mais ces pierres là, vraiment, c'est des choses que vous devez avoir. Si tu n'as pas ça, ah, là ce n'est plus le problème de papa Manou, mon rôle. J'ai déjà fait ce qui est de mon devoir en tant que ton fidèle et humble serviteur. De l'évangile des temps modernes. Moi, j'ai déjà dit, j'ai déjà fait ce qu'il faut faire. À toi maintenant de faire le reste. Ça, sincèrement. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, c'est vraiment très, très important de maîtriser ces choses-là, d'en parler. Pourquoi? Parce que ne pas le dire, toute vérité, toute recette et qui peut contribuer à votre développement spirituel, à votre développement social, doit être dite, doit être publiée, parce que il faut un monde de partage de ce qui est bien. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un au bout du monde qui souffre, hein, qui souffre. Et après ce direct, il va dire, ah, mais j'étais où même? Voilà. Et prochainement, vous ne laisserez plus vos enfants, vos parents, comme ça. Voilà. La topaze impériale est là. C'est Dieu qui a créé. Il n'y a pas qu'on vient vous dire autre chose de là. C'est Dieu qui a créé. Voilà. Tout ça sort de la terre. C'est Dieu qui a créé.
Il n'y a pas de dire non, c'est monté, c'est descendu. Non, non, non. Voilà, on ne trouve pas cette pierre-là n'importe où. Donc, si vous avez l'occasion de la voir, prenez. Prenez. Si ton mari est là, tu dis, chérie, dès ce soir, dès ce matin, c'est ce que tu vas porter. Généralement, vous mettez ça dans des petits sacs de couleur blanche. Je n'ai pas appelé ça des petits sachets de couleur blanche. Parce que les pierres là, tellement qu'elles sont, elles sont même précieuses, elles se perdent rapidement. Hein. Vous pouvez avoir ça sur vous, et assis quelque part, ça glisse, ça sort et ça se perd. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, généralement, vous mettez ça dans des tissus blancs comme ça et vous faites courbe. Alors, quand vous voulez la nettoyer, vous enlevez, hein, vous devez défaire le tissu, le sachet, vous nettoyez après avoir fait ça et vous remettez. Vous voyez, quand c'est dans les trucs comme ça, c'est encore mieux. Donc, ton mari, quand il va aller voir cet isa-là, tout ce qu'on va lancer, nourriture dedans, ça devient, si ce n'est pas la nourriture, ça devient lolo. Mais ce n'est pas aussi une manière de l'encourager. En lui donnant, dis-lui que comme tu es dans un lieu de travail où tout peut arriver, vraiment, tu es le père de la famille. Tu es notre vivier. Si aujourd'hui, tu n'es plus là, vraiment, qu'est-ce que je serais avec ces enfants que tu m'as laissés? J'ai suivi un monsieur qui parle de la topaze impériale. Il dit, c'est une pierre qui, pour vous, nous protège contre toutes sortes d'envoûtements. Mon père, mon maître, si tu n'es pas là aujourd'hui, moi, ta servante, je vais beaucoup souffrir. Je voudrais que tu la portes lors de tes déplacements. On ne sait jamais, que ce soit au lieu du travail, que ce soit dans le cadre amical, que ce soit dans le cadre familial, il faut toujours avoir cette pierre avec toi. Et quand ça vient d'une femme, vous savez, c'est la femme qui a donné ce qu'on appelle le fruit défendu à l'homme. Voilà, quand la chose vient de la femme, tu vois, c'est pourquoi on est trop petit. C'est pas l'homme, on fait bruit seulement. Nous sommes trop petits. Trop petits. Quand une femme est devant, c'est pour ça que partout, tous les grands, les chefs d'État dans le monde, ils saluent la femme avec véhémence, avec respect. S'il est assis, il se lève avant de saluer la femme. Remarquez cela, hein, c'est pas, je ne parle pas pour parler. C'est nous, dans le sous-quartier, on prend femme pour faire amusement. Je dis chef d'État, il est assis. Si ça, une femme vient que c'est ministre, même présentation des vœux, ou bien même il est assis comme ça là. La femme, dans une délégation, les gens saluent. Si c'est un homme, le chef d'État, il ne se lève pas. Il fait ça, il fait ça. Ou bien même il salue étant assis. Quand c'est une femme, qu'elle soit ministre, qu'elle soit directrice, que c'est lui-même qui a nommé, dès lors que c'est une femme, il se lève pour saluer la femme. Vous croyez que c'est un fait de hasard? Vous savez, oh, femme, oh, tu as une femme à la maison et ta vie ne change pas, ça c'est toi le problème? Femme, oh. Il n'y a pas l'homme le plus puissant au monde. S'il doit aussi être debout, tu vois, quand il salue la femme, il baisse la tête pour dire respect. Ce n'est pas parce qu'elle est diplômée, ce n'est pas parce qu'elle est ministre, c'est parce qu'elle est femme. Elle est dotée de pouvoirs incroyables. Ce sont des, c'est-à-dire, c'est les premiers coups qu'on te donne dans l'exercice de tes fonctions, que la femme, là, il faut faire attention. C'est bruit, on fait le matin, on tchate. Mais à 18h, quand on est à la maison, la femme nous malmène comme on pleure, mais il y en a même quand ils nous refusent, alors on pleure dans la nuit. J'en ai un homme qui devant la chose, il pleure comme ça. Chérie, tu dis ça. Pardon, je vais, maison là, je vais reconstruire. Il va te parler des affaires de 1990. Il pleure, il pleure. Ne me touche plus. Ne me touche plus, ne sois pas que tu es avec le garçon. Ne me touche plus. Hé chérie, hé bébé, hé Dieu. S'il n'y a pas, tu avais fait comment? Après, prends son pied et merci. Femme, je t'ai compris. Si tu peux tout savoir, je vais casser tout. Hey, ce sont des scènes qu'il faut vivre en couple. C'est doux. Hey, tu vois, le matin, l'homme, malgré ça, il va rationner. Hey, il est là, il s'habille un peu. Il fait malin. Hey, la femme, viens, 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 je vais arrêter ton habit là. Voilà quand il commence à enlever là. Tu vois, le sourire vient. C'est ça la femme. Hein? Uh-huh. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, ce sont ces petites choses-là que nous devons observer. Ouais, c'est comme ça la vie des hommes. Hein? Voilà, c'est ça la vie des hommes. Ouais, on va faire comment? On va faire comment? Hein? Voilà. Donc, respecter nos femmes, elles sont tout pour nous.
Et nous, on les prend pour faire cadeau, là. Non, elles sont tout pour nous. Voilà. Je vais parler un peu de cette pandémie qui est dehors. Chaque fois, je dis, je vais parler. Alors, il y a une épice qu'on appelle curcuma. Je vous en prie, si on vous a mis le fer là dans le corps, faut pas que ça manque dans vos repas. Oui, parce que depuis l'humanité, c'est le seul vaccin qui crée tous les problèmes du monde. Les autres vaccins tétanos, nous jusqu'à nos jours, on continue de toquer, de prendre ça. Ça n'a jamais créé des polémiques, des problèmes de ceci. Mais ce vaccin-ci, où on dit première dose, deuxième dose, troisième dose, ça répond à quoi au juste? Nous là, c'est élémentaire quand tu as fait plus vaccin là. Maladie là, tu ne peux plus avoir maladie là. Mais quel est ce vaccin que quand tu as pris, tu n'es pas à l'abri de ce pourquoi tu te vaccines. Même maladie là vient encore te tuer. Mais autant nous laisser nous comme ça. Ça va venir vraiment nous tuer. Vraiment, il a fait les très compliqués. Moi-même, j'ai peur de voyager maintenant. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, chaque jour, je priais que pardon, avant que ça n'arrive, qu'on m'a dit qu'avant de faire ceci, si tu n'es pas vacciné, tu sors. En tout cas, même si on prenait ces mesures, je sortais par la route. Non, je sortais par la route. J'ai peur de voyager. Je pouvais aller au Rwanda me reposer un peu, aller en Afrique du Sud, en Égypte, voir l'Afrique. Mais tout ça là, dans l'avion, même ton cœur bat. Tu dis, peut-être tu vas descendre, on va dire touquer, touquer, touquer. Comme c'est eux qui tiennent le monde. C'est eux. On dit, mais on va faire comment? Peut-être pour finir cette histoire-là, on va faire comme nous serons au village. Hein? À cette allure. On met première dose, deuxième, troisième. Et c'est quoi même? Donc le cucuma, là, vraiment, c'est. Comment je peux appeler ça? C'est une plante, appelée soit épice. On peut prendre ça sous forme de thé. Vous pouvez rendre ça en poudre, il y en a en bâtonnet en poudre. En poudre, chaque fois que vous voulez manger, prenez une cuillère, si possible même deux, vous mettez dans votre sauce ou même le riz, vous mangez. Parce que ça renforce l'immunité par l'immunité de notre corps, de notre organisme. Renforce à 100%. Il y a des gens qui sont partis faire le test pour qu'on les vaccine. On dit non, toi là, tes anticorps sont profonds, on peut même pas. T'as pas besoin même. Donc, faites un effort de prendre ça chaque fois, je vous en prie. Il est arrivé un moment où on a parlé de l'huile de palme, l'huile rouge. Je vais donner ici brièvement quelques pouvoirs magiques, quelques puissances, les vertus magiques de cette huile-là. Donc, on dit avant d'aller vous faire vacciner, tout ça, c'est pas prouvé scientifiquement. Mais on se dit, comme on est africain, ça peut jouer un rôle. Parce qu'il n'y a que qui savent ce pourquoi on met clou là sur nous. Ce n'est que ceux-là. Ceux qui ont inventé cette histoire-là, qui peuvent un jour, que Dieu va toucher leur cœur par nos prières, par nos pleurs, pour qu'un jour ils viennent au journal de 20 heures pour dire que vraiment nous avons trompé le monde, nous avons trompé l'humanité. Mais ils ne peuvent pas, parce que là, ça peut-être les gens vont brûler. C'est des secrets, c'est des choses qui sont restées secrètes. Il y en a plein depuis la nuit des temps. Donc on dit, c'est un antipoison. Lui, là, c'est un antipoison. C'est-à-dire, si quelqu'un a bu un produit toxique, alors, vous voyez que le cuc aussi, c'est un produit toxique. Parce que ça ne nous arrange pas. Ce qu'on met sur nous, là, c'est toxique. Donc, l'huile de palme, là, je peux épouser cet éther qu'avant d'aller vous vacciner, même si c'est une bouteille, prenez, vous buvez en même temps. Dès que c'est ça qui vous tue en même temps. Si vous pouvez prendre deux verres de ça, vous buvez. Peut-être une heure même avant. Après, même ça, encore, vous buvez. Parce que les vertus, n'est-ce pas, de magique de l'huile de palme, l'huile rouge, ce n'est qu'en Afrique qu'on a ça. Et peut-être qu'en Asie et quelque part en Amérique du Sud et tout. Voilà. Donc, tu prends ça, tu bois avant et après. Après le faire là sur toi. Parce que quand quelqu'un même est victime d'un poison, c'est-à-dire on t'a donné poison par la nourriture, par la bière, par un liquide, par le jus. Si on constate à l'instant qu'on te donne l'huile rouge là, tu vas vomir tout ça. Donc, si tu ne peux pas vomir, on dit que ça peut anéantir les effets toxiques, n'est-ce pas, de ce qu'on a mis sur nous là. Faisons-le, on ne perd pas. Donc, je vous le conseille. Allez, prenez avant, après, vous buvez l'huile rouge là. Bon, aussi contre
Ça nous aide aussi contre les brûlures. Vous voyez les motos, les tuyaux d'échappement des motos, les fourneaux. Voilà. Tu prends juste l'huile rouge, tu mets sur la partie brûlée là. Hein? Tu mets ça sur la partie. Ça favorise rapidement la cicatrisation. C'est ce que nos ancêtres utilisaient. Vous voyez? Donc l'huile rouge, il met là. Il est tranquille. Voilà. En couple, cette huile joue un rôle très très important. Ça joue un rôle très très primordial. Si votre mari est volage, ça volage veut dire infidèle. Si votre mari sort beaucoup, l'huile rouge peut vous aider incroyablement à fidéliser votre mari. Comment ça se passe? Vous devez prendre l'huile rouge. Vous mettez ça dans le congélateur, c'est-à-dire comme comment on peut, une petite quantité. Hein, vous faites ça sous forme d'ovule. Hein, je ne sais pas où c'est dans une boîte, comment vous allez vous arranger. Vous mettez ça dans le congélateur. Ça va bien congeler. Et maintenant, tu prends 30 minutes avant le match, avant la livraison du match, tu mets ça là où tu connais. Voilà. Quand monsieur, après, ça sort, quand monsieur entre là, ça le attrape comme ça. Il ne sort plus. Il ne sort plus, il ne bouge plus. Les nos mamans, ce sont des choses élémentaires. Tu vas voir grand-mère. Tu dis, maman, je vais me marier. Quels sont les codes? Quels sont les secrets que vous avez utilisés à votre temps pour fidéliser votre mari? Ta grand-mère va te donner. Mais quand tu vas au village, bon, je ne sais pas. Donc là, même, on peut aller au village. Hein? Hey, papa, Manou, j'ai peur d'aller au village parce que. Bon, l'huile rouge également pour vous aider à vous fixer dans une relation amoureuse. Il suffit, n'est-ce pas, de prendre de l'huile de palme, l'huile rouge, tu mélanges ça avec le jus de citron. Hein? Voilà. Toutes les promesses amoureuses qui ont été faites seront tenues. Voilà. Vous avez des couches de nuit. Avec ça aussi, tu peux utiliser l'huile rouge, l'huile de palme là, pour chasser ces incubes et ces succubes. C'est vraiment trop facile. Ce sont des choses faciles à faire. 3 nuits d'affilée, vous allez voir que ces choses-là vont changer très très rapidement. Ils vont vous libérer. Voilà. Donc, c'est autant de recettes, voilà, que la divine nature vous donne. Vous voyez, vous donne. Donc, ce sont ces petites choses que vous pouvez avoir. Bon, il y en a aussi d'aucuns qui vont me dire, bon, s'ils ne peuvent pas avoir la topaze impériale, c'est cher, hein? Il faut prévoir au moins 20 000 francs. Et au moins 20 000. Ça ne se vend pas. Ce n'est pas des trucs comme des bouts de pain. Tu peux faire tout droit là. Tu n'as pas quelqu'un qui va te vendre la topaze impériale. En plus, il n'y a pas de boutique ésotérique, à ma connaissance, dans la ville de Douala. Il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Donc, à défaut de la topaze, tu peux également utiliser le citron. C'est vrai que le citron neutralise les mauvaises énergies qui nous entourent. Voilà. C'est vrai. Mais, ami bien dit d'ailleurs, pour l'envoûtement, parce que c'est degré par degré. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les âmes saines. Il y a l'âme nucléaire. Il y a l'âme. Comment ils appellent ça? Chimique. Vous voyez, tout ça. L'âme nucléaire et l'âme sème, c'est pas la même chose. Donc chacun a ses limites. Mais l'autre là, c'est la pâte seulement. Donc le citron également pour protéger votre domicile. Il suffit de prendre 3 citrons verts que vous posez à des endroits différents de votre maison. Et chaque fois qu'ils pourrissent, vous changez. Vous voyez, vous les remplacez et tout et tout. Donc ça peut vous aider. Il y a également ce rituel qu'on fait avec. Ben ça, c'est la maison, hein, c'est pas vous. C'est la maison. Aussi toi, tu sors de la maison, on peut te lancer l'envoûtement, ça prend en même temps. On peut te lancer un sort, ça va prendre. Tu n'es plus à la maison. Tu n'as rien sur toi. Donc tu es élan, élan. Tu es 10 0. Tu es vide. Il n'y a rien. Tu n'as rien. Il n'y a pas. Même un petit couteau, tu n'as pas. Même simple aiguille, tu n'as pas. On va te prendre cadeau. On va te prendre cadeau. Donc, il y a aussi cette méthode de protection qu'on appelle pas le riz. C'est cette habitude de prendre le riz pour jeter sur vos toits, hein, la toiture de vos maisons. Prenez le riz, vous jetez. Vous jetez. Ayez cette habitude. Vraiment, je ne sais pas comment je vais faire avec vous. Oh, vraiment. Donc, le riz peut vous aider. Il suffit de prendre un bocal, un bol. Hein, vous mettez le riz dedans et vous prenez 9 citrons verts, vous posez dessus. Hein.
vous prenez les 9 citrons, vous prenez un au milieu et les 8 font le tour. Et vous placez ça au-dessus de votre réfrigérateur. Et chaque fois que ça vient, vous changez. Voilà. Donc, ça aussi, ça peut vous aider probablement. Même pendant que vous dormez, le cyclone peut vous aider à vous protéger, à protéger votre sommeil. Voilà, protéger votre sommeil. Le cyclone aussi peut vous aider dans ce sens. Le selgem aussi peut vous aider dans ce sens. Donc, Camille vient d'ici d'ailleurs. Comme vous l'avez suivi, c'est bon pour ce soir. Donc, cherchez ces pierres, portez-les sur vous. Voilà, contre toutes sortes d'envoûtements, vous dormirez tranquille. Vos enfants aussi, vous pouvez les mettre. Voilà, avec les enfants, il faut être malin parce que comme ils jouent trop, vous pouvez mettre ça et prendre l'épingle. Si c'est comme ça, vous avez mis peut-être la topaze impériale. Vous prenez donc dans sa poche là, vous prenez maintenant l'épingle, vous accrochez. Hein? Donc, ça accroché sur, à l'intérieur, ça accroché dans sa poche. Même s'il joue n'importe comment, ça ne peut pas sortir. Il faut qu'il enlève d'abord l'épingle pour que la chose quitte. Vous voyez, l'enfant est protégé. Et vous pouvez également venir dans ses chaussettes. Vous voyez, quand il porte les chaussettes, hein, vous voyez, nos parents, hein, c'est ce qu'ils faisaient. Il prend son porte-monnaie, il cache ça dans la chaussette-là. Vous savez comment ça se passe. Et vous pouvez également mettre ça dedans. L'enfant, comme quand vous te mangez, propre. Parce qu'il y a des enfants qui sont, surtout les enfants qui sont nés un 30 du mois, un 31 du mois et un 1er du mois. Si ta vie n'a pas donné, je peux mettre ma vie en jeu. Si tu es né un 30, un 31, 1er du mois, après 30 ans, tu es élan, ta vie est zéro. Je ne peux pas, il n'y a pas, je n'ai pas besoin de faire ton scanner. Sache que tu as été victime d'un envoûtement, d'un sortilège, d'un sort. On t'a touché. On a volé ton étoile. Ce qui est sûr est que quelque chose s'est passé dans ta vie. Parce que ceux qui sont nés ce jour-là, non, c'est pas n'importe qui. 30, 31, premier. Donc, si ton enfant est né ce jour, si c'est pas le 30, le 31, le premier, et qui n'est pas un jour ambassadeur ou ministre, mon frère, la faute te revient, hein? Ma soeur, toi, envoie les cœurs pour qu'on se dise au revoir. Rendez-vous, c'est jusqu'à mardi. Donc, le week-end est long. Vous voyez, un samedi, les jeunes de mon âge, là, ils partent boire. Je dis, je ne pars pas boire, je dois faire direct. Pour vous apporter un plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que vous avez un grain de bonheur, ma part est dedans. Ma part est dedans. C'est pourquoi chaque fois, je demande les témoignages. Les témoignages. Parce que dans le témoignage, j'ai ma part est dedans. Ah, si tu as eu... Il y a un frère, avant que je ne voyage, il a fait la recette de... C'est l'amande. Les 7 amendes. Vraiment, il a eu des millions. Hein? Il m'a même écrit pour dire, papa Manou, j'ai eu une forte entrée d'argent. Je crois d'être au Togo. Envoyez-moi vos codes, vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer quelque chose. Jusqu'à nos jours, je n'ai pas eu le temps. Et en plus, j'ai perdu même mon portable. C'est l'autre jour qu'il m'écrit pour dire, mais papa Manou, avant que vous... Donc, nous sommes au mois d'août, début août. Avant que vous ne voyagez, je vous ai dit, j'ai gagné. C'est entré ici, c'est sorti. C'est pour vous dire que nous ne courons pas après l'argent. Voilà quelqu'un qui devait me donner un bon jeton. Il dit qu'il a eu l'argent. Une forte entrée. Quand on dit forte, c'est des millions, c'est des centaines de mille. Si dans ça, il m'a donné 40 000 ou 50 000, j'allais prendre mon deux cartons de vin rouge, je vais boire. Je n'ai pas. Ça m'a laissé insensible. Pas parce que je veux. Parce que je suis dans une phase où parfois même me lever le matin, me brosser, ça devient quelque chose, un challenge. Ça devient impossible pour moi. Il y a des matins, je ne me lave pas. Jusqu'à 10h, 11h midi. Parce que je veux le faire, c'est un appel. Je veux finir, c'est ok. Et vraiment, parfois même, à des moments, si je n'avais pas tous ces soutiens, des pierres, les plantes que j'utilise, les encens que je brûle, ce qui à un moment donné, ma tête peut exploser. Au moment où je vous parle, j'ai au moins 15 scanners qui attendent. Pas une semaine, pas deux semaines. Je fais que dire pardon. Et en plus, j'ai perdu mon portable. Pour me remettre, il me faut au moins un mois. Pour savoir que voilà Marc Passoire, voilà Henriette Kwame, voilà Linda, voilà Blandine, voilà. Avoir l'historique et tout, de tous nos échanges, ça me prendra du temps. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais avec le temps, je demande tout pardon. Soyez, comprenez-moi. Je vais vous arranger. Hein, Noli Okane, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs.
Donc, si ton enfant, 6 ans, 7 ans, tu commences à pleurer, que, ah, on l'a envoûté, oh. Là, mais c'est ta faute, hein. Il n'a pas voulu venir au monde. C'est parce que tu as décidé qu'il vienne au monde. Donc, prends toutes les dispositions pour lui assurer un mieux-être, un bien-être, un épanouissement social, spirituel et propre. Il ne faut pas que l'enfant la regrette un jour. Et le grand, grand problème, c'est le spirituel. Parce que quand vous, tu n'as pas, quand ta vie, il n'y a pas un socle spirituel, non. Je peux faire 3 jours sans manger. Je sais qu'au 4e jour, ça va tomber. Je sais que tel problème, il y a une solution. Donc, mon cœur ne bat pas. Donc, quand je dors, je me lève, j'ai la paix intérieure. C'est le plus important. Et que cette paix intérieure soit votre partage, amis bien d'ici d'ailleurs. Merci pour votre fidélité. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très bon week-end. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Jamais. Le mal ne peut pas dominer le monde pour l'éternité. Même ce qui se passe dehors, là, le mal ne peut pas dominer le monde. Sinon, Dieu n'existerait plus. Sinon, la miséricorde divine n'existerait plus. Il y a un temps pour tout. Soyez forts. Sur ce, je vous souhaite très bon week-end. À mardi, si Dieu le veut bien. Vous voyez, toute cette semaine a été chargée. Hein? J'ai fait direct mardi, j'ai fait jeudi, j'ai fait vendredi, j'ai fait samedi. Papa Manu, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. À mardi pour d'autres challenges. À mardi pour d'autres directs. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes angoïdes. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas marabout. Je ne suis pas tradit praticien. Je ne suis pas prêtre. Je ne suis pas imam. Je suis ton fidèle humble serviteur. L'homme, le déchireur de voile de l'ignorance. Quand le voile de l'ignorance se déchire, la vérité s'installe. Et quand la vérité est dans ta vie, est affranchi. Donc, tu es un homme, tu n'es plus esclave. Sur ce, bonne nuit.